je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tiangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Amis, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tiangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to ba betilisa si congolais mwa goufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, il faut le retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici. Chez nous, à CPL Télévision, des questions très, très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder quand on commence ces émissions. Nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer, de les partager avec vous. Je suis Monsieur Claude Perrault-Louara, journaliste congolais amoureux de son pays et surtout très 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 malheureux, excusez-moi, de voir ces pays-là se retrouver dans la situation obscure dans laquelle ils se trouvent à l'heure actuelle. Au regard de tout ce que nous avons comme matière précieuse, au regard de tout ce que nous avons comme, comme richesse, le Congo n'a pas le droit, le Congo n'a pas le droit de se retrouver là où il est aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes tous complices de la désacralisation, de la dégradation de notre situation socio-économique. Nous sommes assis sur l'or, nous sommes assis sur le diamant, nous sommes assis sur des grandes richesses, mais nous n'arrivons même pas à avoir de l'eau à boire.
alors que nous avons des dizaines, des milliers, je ne sais pas moi, des litres en termes des rizières, en termes des fleuves, en termes d'eau. Nous avons des pourcentages assez élevés d'eau douce dans le monde. Nous avons des milliers de terres arables chez nous. Nous pouvons nourrir pratiquement toute l'Afrique. Malheureusement, nous importons tout. Tu sais, je vais vous faire rire. Avant que je ne parte, et d'ailleurs ça m'a suivi jusqu'ici, j'ai des amis qui sont venus me voir, ils me disent, mais écoute, tu es journaliste, mais est-ce qu'on peut pas aussi se lancer dans le commerce, tout ça? Alors on a commencé à étudier qu'est-ce qu'il fallait faire. Parmi les propositions qu'ils m'ont mis sur la table, il fallait aller acheter le riz à, comment ça s'appelle, au Vietnam, je crois. Vietnam. Ouais, il fallait aller acheter le riz au Vietnam. On me dit non, Vietnam et Simbaka, tu vois, on peut aller acheter les riz là-bas. Moussou Soya Lobby. J'ai aussi un ami qui est venu me dire qu'il faut acheter bah épices. Il faut consommer bah épices na Dubaï, souris na Qatar. Moussou Soya, la proposition na yé. Bon, c'est des bons business. Les business qui pas raté. Ceux qui investissent dans ces genres de business, je vous encourage. Courage à vous, mes chers frères. Vous aidez le pays à ne pas être affamé. Mais quand on rentre à l'intérieur de soi-même, je suis resté dans mon bureau malheureux. Je me dis, hey, Nzambé, nous commençons à importer même l'osso, ils ont au Vietnam, au Vietcong, ils ont à la Chine. Et pire encore, dans mon pays, il nous arrive d'importer l'huile des palmes. L'huile des palmes. Nous importons l'huile des palmes. Nous importons l'huile des palmes. Et tu sais nous importer Makala. Je crois que Kalamin Teboyoga a tout importé Makala. Tout comme maintenant qu'on importe Makala. C'est terrible. Ça fait honte. Quand je vois tout un gouvernement, les caméras qui aiment bien se faire voir, qui aiment bien saisir des occasions, même les occasions les plus ridicules pour se mettre en avant-plan. Lorsqu'il y a eu la crise des farines ici à Lubumbashi, j'ai vu les Vital Kamerhe et tout un gouvernement se déplacer pour aller négocier les Massangu en Afrique du Sud, négocier Massangu en Zambie, et ils sont fiers de les faire. Et on a le Malabino à un moment donné, moi quand je reste, je me pose toujours la question, j'ai dit, est-ce que je n'exagère pas? Est-ce que c'est pas moi qui idéalise un peu trop la vie? Parce que j'ai l'impression que... Naïmité, comment il faut que je vous explique ça? Parfois, je commence à être dur avec moi-même en me disant, mais est-ce que c'est pas moi qui vois les choses un peu? C'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez des compatriotes qui se battent comme le général Kabouikila, le général Kassongo. Celui qui travaille pour comment ça s'appelle cette histoire-là? Comment ça s'appelle encore? Kanyama KCC. Le général Kassongo qui est la responsable de Biloko Yaba Kanyama KCC Yaba Masangu. C'est lui qui travaille pour le... C'est un homme que j'ai connu moi à l'époque. J'étais conseiller du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je parle du vrai ministre de l'Intérieur, pas des Tchokovars ici. Pas des minables comme les Peter Kazadi ou des incompétents comme les Gilbert Kankondé, Félix Achela Kibiso. Je parle des ministères de l'Intérieur. À l'époque où un ministre de l'Intérieur avait la capacité de convoquer le DG de l'ANER. Il avait la capacité de convoquer des conseils de sécurité à l'époque. Moi aujourd'hui je suis surpris que le ministre de l'Intérieur ne soit même pas respecté par les gouverneurs. Nous sommes en train de perdre l'identité. Le Congo est en train de tout perdre, mes chers frères. Le Congo est en train de perdre. À l'époque, moi, conseiller du ministre de l'Intérieur, c'est là que j'ai rencontré ce monsieur pour la première fois. Lui s'occupait de la structure chargée de l'élimination des armes de petits calibres, armes légères et d'identification des armes, quelque chose comme ça. Mais il faisait un grand travail déjà à cette époque-là. Quand on l'a enlevé, on l'a envoyé dans cette histoire, Yabama Sangunakan, Yabama Sese. Il fait aussi un grand travail. Mais regardez quel budget on lui donne. Je sais qu'il doit avoir un budget d'un moins de 5 millions de dollars.
Comment on peut pas donner des moyens à des gens comme ça pour que Massa la Moussa la Malamou? Tant que vous vous réveillez, on vous apprend que Félix Tshisekedi a mis plus de 500 millions de dollars dans ma cambouya, il y a Ram. Quand vous vous réveillez, on vous dit que Kamere a mis plus de 550 millions dans Yena Djamal. Bayibi 15 millions awa. Bon lali bolamuki bayibi ti le gelou. Mais c'est quel pays où batou bayi baraka en termes de millions de dollars? Moi je comprends pas. Le général Kasongo fait un travail remarquable. Nabilo ko bama sangwana. Comment on peut pas soutenir des initiatives comme ça? Mbongo na bango za ko yiba ya ko installer ba makangu ya ko sombela ba makangu bandako. C'est pas pour aider la population. J'ai parlé du ministère de l'Intérieur. Dites tout ce que vous voulez, mais je peux vous donner comme ça des informations qui vous démontrent effectivement que la République est en train d'aller vers son abîme. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Si je prends le ministère de l'Intérieur, regardez les visages qui se sont succédés à la tête de ce ministère-là. Regardez. Qui était ministre de l'Intérieur? Denis Kaloumé Numbi. Qui était ministre de l'Intérieur? Adolphe Oulumanou Moulenda Bonansefou. Richard Mouyez Manguez Mans. Évariste Boshab Mabouch Mabileng. Henri Movasakani. Emmanuel Ramazani Chadari. Tout ce sera le ministère de l'Intérieur. Zoba Tetouane. Le ministère de l'Intérieur. À cette époque-là, Moutoulorola Boshab, yo gouverneur au Golobanenini. Mais la pègre bruxelloise a pris le pouvoir. Les lobota le ministère intérieur. Mais le ministère de l'intérieur aujourd'hui c'est qui? Bakayi Bazui Nanio, Gilbert Kankondé. Un incompétent jusqu'à la moelle épinière. Jamais de l'histoire de ce ministère-là nous avons eu un vice-premier ministre aussi incompétent comme ça. Contesté. Le gouverneur lui manquait du respect en face. Le gouvernement va manquer le respect en face. Balongo baké bazu à Selo. Moutete là haut à Selo. Un autre compétent jusqu'à la moelle épinière. Allez, va changer si le lobe à l'élection Tchokova. Compétent à Tchoko. A commandé ambassadeur à Tchoko Ovaki. Peter Kazadi. Je vous ai alerté ici quand il nommait Peter Kazadi en vous disant faites attention. C'est un charlatan qu'on vient de mettre. Il viendra là pour chercher l'argent. Moutayoka Ngazate. Mais regardez la conséquence aujourd'hui. Est-ce que vous qui êtes à Kinshasa, vous pouvez me regarder en face et vous dire que Kinshasa est une ville paisible? Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kananga, vous êtes en Mbujimayi, vous êtes à Goma, à Bukavu, vous êtes à Bandundu, à Kwanani, à Kikwit. Vous êtes à Wawa, à Kwangwa, à capitale à Kwangwa. Vous êtes à Kindu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a de l'autorité de l'État? Mais il n'y en a pas. Parce que le ministre passe tout son temps à Kocha Tchoko. Tchoko sur Tchoko, Tchokova. Le ministre passe son temps à créer et à chercher comment qu'on arrache ma mine Yabatou. Le ministre passe tout son temps à Rosala Bakop. Il a rempli les cabinets avec sa femme, avec ses enfants. Les koulous nabazo katabatu bazako bombabatu, ce n'est pas son problème. Yeso asa tcheba tchokone a koti nandaku a komane mundele tchokova. Ça c'est le régime de la mafia bruxelloise, la pègre bruxelloise, des gens qui sont venus, qui n'ont aucun idéal, qui n'ont aucune ambition, qui n'ont aucune idée de la gestion de la République. Qui n'ont aucune. Mais Perrault, tu vas pas te fatiguer, tu dis ça. Mais attends, je vais me fatiguer comment? Tout ce que nous disons ici, nous disons pour que les types changent. Regardez aujourd'hui, j'apprends que Moutouna Moutou, c'est-à-dire que Mokaoyo, chacun gère ce qui. Oyo, Moutouna Moutouza n'a pas de là. Regardez ce que Jean-Pierre Bemba est en train de faire dans sa province là-bas. Il y a des députés provinciaux qui ont été élus sur sa liste. Il leur impose de voter un gouverneur. Parce qu'il a maintenant des informations que bah, député Wana, bah, qu'on vote gouverneur Wanate. Ils s'organisent frauduleusement pour les écarter en instrumentalisant la justice. Au lieu qu'on soit Guy Lowando, il fait ce que bon lui semble aussi. Nanga Mounaye. Donc, Moutouna Moutouna Kouenaye. Moutouna Moutou. Et Sika Zali.
aza ko sala oyo mutema na ye elingi na ndenge oya lingi. Pendant ce temps, le fils de la malédiction, El Moutingeleka, alias Félix Tshisekedi, monsieur Escarmouche, lui, il est en train de prendre sa chivas, sa tembo, il voyage, il multiplie les voyages. D'ailleurs, à l'heure où je parle, j'ai appris qu'il est allé au Togo, au Kekoluka Nini, papa. A voyager à Kekoluka Togo, 65 jours ou 70 jours de pouvoir, plus de 40 jours à l'extérieur du pays. Le pays n'a pas encore des institutions nouvellement installées. Le pays a un problème de guerre. Le pays a un problème de faim. Son président, lui, il passe son temps à se promener comme un touriste, à prendre sa chivas et à prendre sa tembo. Akeko Lukani na Togo, Azagi na Togo, Akei Qatar, Akei Turquie. Maman, baouti ko installé au Sikoyo, au fraudé na bélection, au braqué élection, au yibi bélection. Mais Fandana nous commence à réfléchir sur ce qu'il faut faire. Quel est le plan qu'on doit mettre en place pour la guerre pour Azakunate, ce n'est pas son problème. Azo voyage na Yakine. Et on va me dire que tu fais une fixation sur Félix. C'est ce qui est dit. Félix a salé Nini. Moutoumoura lui langa. Félix a joué la yo moisi. Bouille la Félix Nini. Félix yo o linga. O yango zarana. O komara ko linga. Soki. O koma président de la République. Bouille la. Na ouille la mbongo. Na ouille la moisi na naissance Nini. Na ouille la moisi. Na ouille la mbongo na Félix. Félix a sali 5 ans à pouvoir. A yibimbo ka détruire. A zade un milliardaire. Nenga zaan. Bala na yiba ndeko na yi mwasi na yiba yibi ba papi ba kome ba mbongo ebele. Nga na mbongo fait ça non. C'est notre argent qu'il est en train de voler. Mais je suis heureux de constater que tous ceux qui ont volé comme lui, ceux qui ont cru qu'on vient au pouvoir pour amasser, non pas pour construire, mais non pas pour aider, regardez leur vie. Les Mobutu sont où? Les Mobutu sont où? Regardez Sirani Bali. Les caciques de l'époque de Kabila, qui ont induit Kabila en erreur, qui lui ont fait faire des erreurs. Bazawap, les caciques là, ils étaient au pouvoir en train de faire ce que certains font aujourd'hui. Bazawap, ba cacique, ba tchela tchela bana batu, ba calque. C'est seulement parce qu'on est parfois idiot, excusez-moi de le dire comme ça, on ne se rend pas compte que Mokileza na onengwana. Nous sommes amnésiques, on ne regarde pas le passé. Bino Boganti, Bino Batobo Bandi, Bobandi, qu'on a entourage à président Liboso. Bissele, le Bakanga, qui est un mouka, Yohana Kaouji, n'a pas image à Salita, Alexele, et Batoa. Soukana Bino Toyebi. Toyebi, n'a pas de bandra, Toyebi, n'a pas de donc, vous êtes calme, vous êtes intimidé, Batobo, vous êtes au Kansake, vous êtes au commun. Alors, Bande Koubouye, madame, on a bien nous surtout, vous êtes au madame, on a besoin de pourquoi on a l'élo. Bino Gomi Balemi Satou. Ceux qui vous avez habitué, vous voyez de quoi je vais parler avant tout ban d'émission. La première des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir vous abonner. Nous sommes toujours à 115 000 abonnés. Donc abonnez-vous massivement. Moi, ça me fera énormément plaisir. C'est une preuve que vous aimez le travail que nous faisons, que vous nous soutenez. Abonnez-vous alors très très massivement. Allez vous abonner aussi sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Facebook, c'est Perro Loira officiel. Là, c'est ma page officielle. TikTok, c'est Perro Soutri Loira. X, c'est Perro Loira 1. Donc, allez aussi vous abonner dans ces différentes plateformes. Ça me fera énormément plaisir. La deuxième des choses, c'est de vous demander de liker la vidéo que vous regardez. Je vous demande vraiment la main sur le cœur. Une manière de nous protéger. Une manière de nous aider à se mettre à l'abri. Nabaksho, ma malfaisance, yamatami temama beoyo. Bah côté de moi pour aller signaler, pour faire des bêtises, s'il vous plaît, vous likez vidéo, vous l'andez, puis vous partagez en gros, ça va nous faire beaucoup de bien, ça va vraiment nous protéger. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betoko Lilo, ma belle Yamboka, ma belle Yamboka, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Judith est notre partenaire très, très, très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme. Vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est la boutique La Londoloise. Avec notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Veste, chaussures, cravates, chemises, cinglés, montres, sous-vêtements, chaussettes.
tout ce qui concerne l'habillement homme. Regardez par exemple la qualité des vestes que vous êtes en train de voir avec notre ami là-bas. Pas une seule seconde. Les tissus sont extraordinaires. Le design, les couleurs. Olingo Bala, Olingo Sala, quoi que ce soit. N'hésite pas à appeler Judith Londolé Betoko Betekos. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer toutes vos commandes. Et c'est tout pour aller. Judith a aussi une parfumerie. Bon, là-bas, parfum. La dernière fois que j'avais montré ça, c'était pas des traits. Les photos n'étaient pas bonnes. Mais là, je pense que ça va. J'espère que Mr. Jason a fait un travail de qualité. Tous ces parfums que vous voyez, les parfums des marques, grande qualité des parfums. Okotambola, ma pekezo kolumba solo, lokola nani, nani, lokola nani, lokola ngulu ya ya ya, azo kende kamba, te. Moi solo, moi malonga, donc n'hésitez pas à regarder tous ces parfums, appelez Judith Londolé, mais toke, commandez vos parfums, commandez vos habits, commandez vos chaussures. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre partenaire très très privilégié, Judith Londolé Betoko. Bobingaye Bokomande, ça va nous faire plaisir. Allez, on est de retour sur ce plateau. Ça brûle. Ça menace et ça répond de partout. La guéguerre entre d'un côté Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Allemagne d'Afrique. De l'autre côté, Paul Kagame, président du Rwanda. Au milieu, vous avez aussi Corneille Nangaa, qui promet la chute de Goma dans quelques jours. Nangaa promet la chute de Goma dans quelques jours. Il annonce qu'après Goma, ils vont prendre la Grande Orientale. Et ils vont continuer comme ça. Ils vont prendre, il a annoncé. Vous allez suivre ça. Nangaa continue à agrandir ses rangs. Il y a d'autres Congolais qui sont en train de rejoindre Nangaa. Il y en a encore beaucoup au Binobo Yebi. Moi, j'en connais qui sont déjà à Kigali. Des grands noms de la politique congolaise. Certains sont à Kigali, d'autres sont en Ouganda. Ils attendent pour rejoindre Corneille Nangaa. Je vous donnerai des détails ici. Je vais analyser ça et je vais vous dire ce qui va se passer. On parle donc de la politique, de la sécurité. Et on évoquera plusieurs autres questions. Mais avant, laissez-moi me satisfaire de la libération de M. Salomon Iskadela, Salomon Idi Kalonda. Ses proches collaborateurs de Moïse Katumbi a reçu une liberté provisoire. Hier, j'ai vu que son avocat, mon ami Onyemba Laurent, a annoncé que la justice militaire avait effectivement décidé d'accorder une liberté provisoire à M. Salomon Kalonda, qui va donc aller se faire soigner à l'extérieur. Afin de dire un ou deux, trois mots là-dessus, suivez le reportage qui confirme effectivement que M. Salomon va quitter la prison de Ndolo, ou l'hôpital là où il est, pour aller se faire soigner en Europe. On va continuer l'émission après. Tolanda. Il peut enfin aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Le bras droit de Moïse Katumbi Tshiapwe Salomon Idi Kalonda a bénéficié de la liberté provisoire accordée par la cour militaire. Ces décisions sont motivées par la dégradation de la santé du prévenu. Salomon Kalonda a bénéficié aujourd'hui de la liberté provisoire. C'est d'abord la situation sanitaire de M. Salomon Kalonda qui est essentiellement alarmante et donc pour l'instant nous avons réussi à convaincre le juge de la cour militaire de Gombe d'accéder à la demande de libérer M. Salomon Kalonda sur base de l'approche humanitaire que nous avons présentée. L'auditorat militaire avait requis 19 médecins, notamment ceux de la clinique universitaire de Kinshasa et de l'hôpital général des références de Kinshasa ex-Mamayemo, lesquels ont établi que l'état de santé de Salomon Kalonda nécessite une bonne prise en charge. Plusieurs demandes de liberté provisoire avaient été auparavant rejetées par la cour militaire. L'Assemblée provinciale du Maniema a validé son mandat comme député provincial élu à la suite des élections du 20 décembre 2023. Pour l'instant, nous ne voulons nullement pas communiquer sur la suite parce que vous savez, toute liberté provisoire est assortie des conditionnalités. Je ne commente pas les accords politiques. Si c'était les accords politiques, eh bien, M. Salomon Kalonda devait absolument
ne pas avoir besoin d'avocat pour déposer une requête, la première, la deuxième, la troisième. Donc pour nous, nous nous limitons à dire que M. Salomon Kalonda a bénéficié de sa liberté provisoire. Salomon Kalonda Idi a été arrêté le 30 mai 2023 à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa. Depuis son arrestation, ses avocats contestent les accusations portées contre lui et remettent en question la légalité de la procédure et en conduit à sa détention. Il peut enfin aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Le bras droit de Moïse Katumbi Chapo et Salomon Idi Kalonda a bénéficié de la liberté provisoire accordée donc, par la je communauté. Me satisfais de la libération de M. Salomon Kalonda. Vous avez suivi Laurent Onyemba aussi. Les questions se posent sur les circonstances ayant amené à la libération de M. Salomon Kalonda. Et le journaliste a posé la question à Laurent Onyemba. Avant, laissez-moi d'abord être content de la libération de M. Salomon. Salomon est une personne que j'ai défendue plusieurs fois ici. C'est un homme bien. J'étais moi surpris de voir qu'un homme inoffensif comme Salomon Kalonda se retrouvait dans des situations comme ça. Pourquoi ? Parce qu'Helmut Deleka ne sait pas que lorsqu'on devient président de la République, on devient président de la République, même Yabato Bawele Lana Bango Basi. Je vous ai dit qu'il a réglé des comptes, même Yabato Bawele Lana Basi. Moi, j'ai connu des gens en prison parce que Bawele Lana moi, Sina Félix Tshisekedi. Et Salomon, Ngeleka en avait fait un problème personnel parce qu'il y a un pire canaille en Azaré dans mon à Bruxelles. Quand il allait commander l'argent chez Katumbi, la plupart des cas, c'est Salomon qui donnait de l'argent. Ce que Komagisigo que Mukola n'a pas cité, bon, na comme président de la République, na kanda Katumbi, na ba colère petit à nous qui s'engage, bon kangaie, ba kangaie. Maintenant pour voir la nullité et la bêtise de ces régimes, de la justice illégalisée telle que je les conçois, vous arrêtez Salomon Escadela, vous dites de lui qu'il est en mèche, il est en collaboration avec le Rwanda. Vous avez été incapable de le démontrer. Par magie, vous vous réveillez, vous dites aujourd'hui, on les laisse aller se faire soigner. Mais c'est la même procédure qu'on a vue aujourd'hui avec François Béya. Puisque François Béya a mis à nu un détournement. Il y a Mongo, il y a Mine Oyoba Yibaki à Corneille Nangana José Mpanda. Quand on vous dit, pour certains, ils disent, Nanga a qui révélé pour la Kanda Mine. Et ça n'a pas la Kanda. Mais bon, Yibaki a moto, bon, Yibaki. C'est Bisselele Fortuna avec la première dame de la lame d'Afrique, Helmutes Nyake Rwangeleka, qui ont frappé cette histoire-là. Il y a Mine et Corneille Nanga. Bakenda a besoin de 20 millions de dollars en Afrique. De quoi il sa banque y a battu. Soit disant, bah, remettre pas Corneille Nanga dans Josem Panda. Bah, il y a Mbongwana, Bisselele. Et François Béa, il a malchance d'être désigné par le mari d'Helmutes Nyake Rwangeleka pour enquêter sur cette affaire. Je vous ai déjà fait les détails ici. Lorsqu'il amène le preuve, il dit que dans cette affaire, voilà les personnes qui sont impliquées. C'est la première dame, Helmutes Nyake Rwangeleka, qui va ordonner qu'on arrête François Béa. Bah, ça lié, bah, humilié. Après, comme il n'avait pas d'éléments, on dit, ok, on te donne une liberté provisoire pour aller se faire soigner. C'est ridicule. C'est ridicule. Et aujourd'hui, c'est la même procédure, le même procédé qu'ils sont en train d'accomplir avec M. Nanyoyo. Comment on dit Nanyoyo Salomon Kalonda, le dossier est creux, le dossier est vide. Il a voulu régler des problèmes personnels. Il y a Bakanda, Bamour Bandego Pimelae, et régler des problèmes avec Moïse Katumbi par Salomon Escadela. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas amener le pays vers son avancement, nous parler de la mise en place de l'état des droits dans des conditions comme celle-là. C'est tout simplement ridicule. À un moment donné, la République doit retrouver sa superbe. La République doit retrouver sa stature. Ceux qui sont là ne comprennent pas que l'État est quelque chose de sacré avec lequel on ne s'amuse pas. Avec lequel on ne s'amuse pas. Bêtise sur bêtise. Maintenant, bah, libérer Salomon. Oh, bazotin ne s'attiquez quoi qu'il n'a pas tout. Maintenant, tout ce que vous avez monté contre lui, et quoi il y a quand j'étais ici, je me suis opposé à la peine capitale.
J'ai vu qu'ils ont fait passer des gens pour dire non, Bapero va défendre à Rwanda, c'est un Sénégalais. Mais c'était pour des choses comme ça. Imaginez un peu, pour des règlements de comptes, il y a Mongo et Salomon Pimelaye, pour tordre le cou à Moïse Katumbi. En adéquation avec le Rwanda. Ils vont lui appliquer, dans le cadre express ici, on peut lui appliquer la peine de mort, Bobomi, alors que vous n'avez aucune preuve. Un pays qui a une justice malade, qui a un commandant suprême malade, qui a un magistrat suprême malade, un cancer à la Helmut Ngeleka à la tête de ce pays, vous vous autorisez, vous, à prendre des fous comme ça, une justice folle, dirigé par des camoulettes à des gens corrompus jusqu'à la moelle épinière, vous leur donnez une arme et vous voulez faire de l'État un État assassin. C'est ridicule. Quelqu'un qui dit lui-même que cette justice-là, il ne croit pas en elle, quelqu'un qui vous dit que la justice-là est corrompue, lui qui est magistrat suprême, lui qui est commandant suprême, il dit que la justice est malade, mais il prend une arme, il va donner entre les mains d'un fou, d'un malade. Alors que ce malade-là détient une pierre qui blesse les gens. Nous tous, nous souffrons de sa maladie, de sa folie. Le commandant suprême, le magistrat suprême, va maintenant lui donner une arme. Mais à la rigueur, ils allaient tuer un type comme Salomon. Bako kanga batou, bako regue, bako tinabilo kona batou, bako boma batou, nama kamdabango, bako peine de mort. Maintenant que vous les libérez, vous voulez nous dire qu'il n'est plus en adéquation avec le Rwanda. C'est ridicule. La République est dans la rue. La République est entre les mains des incompétents, des jouisseurs, des gens qui ne comprennent rien. Des gens qui ne comprennent absolument rien. Des aventuriers. Des gens qui ne comprennent absolument rien. Mais vous avez suivi l'interview. On pose la question à Laurent Onyemba. Est-ce qu'il n'y a pas un deal politique entre Katumbi et Félix Tshisekedi qui amène à la libération de Salomon? Laurent Onyemba dit, moi je suis juriste, je ne peux pas parler de la politique. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de la libération de Salomon Kalonda. Je reviendrai là-dessus. Y a-t-il deal ou il n'y a pas deal entre Katumbi et Moïse Katumbi, et entre Tshisekedi et Moïse Katumbi? La question a été posée à Laurent Onyemba, qui est l'avocat de Salomon. Salomon est-il bénéficiaire d'un deal entre Katumbi et Félix Tshisekedi? Katumbi a-t-il dealé en coulisses avec Félix Tshisekedi? On a posé la question à Laurent Onyemba. Il a fui, il a dit que lui, il est juriste, il ne parle pas politique. Je reviendrai sur cette question-là. Y a-t-il un deal entre Katumbi et Tshisekedi? Les deux ont-ils dealé? Quels sont les termes de ces deals, si deal y a? Parce que j'ai entendu, justement d'ailleurs, Laurent Onyemba dire, Ngai, Nakoloba Makamwana, je suis avocat, s'il y avait un deal, on n'aurait pas fait des recours. Nous, on obtient la libération dans le cas des recours. Donc, il se raconte un certain nombre de choses. Vous savez que mes caméras sont formelles. Je reviendrai ici, je vous dirai ce que j'en sais, je donnerai la vérité. Des tels que mes caméras ont vu. Mais je suis très heureux de constater qu'un innocent, une personne de bon cœur, une personne qui a un bon fond, Salomon Escadela, a obtenu la liberté provisoire en tout cas. Tout ce que je lui souhaite, c'est d'aller en Europe, ou je ne sais pas moi où, aller se faire soigner, recouvrer la santé. C'est un homme bien, il mérite d'être en paix, il mérite de vivre bien. Alors aujourd'hui, je vous ai dit que je vais parler de beaucoup de choses. J'ai vu Corneille Nangaa renforcer ses liens, mes chers frères. Je vous avais dit, c'est trop beau pour être vrai. Ceux qui estiment que le fils de la malédiction, Helmut Ngeleka, alias Félix, monsieur Escarmouche, va rester au pouvoir jusqu'à finir son mandat. Bonne chance à vous et bonne chance à lui. Ceux qui estiment aussi que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons arriver à chasser Félix Tshisekedi par des voies démocratiques. Ceux qui estiment aussi que l'opposition, d'une manière ou d'une autre, que la révolution populaire peut amener à chasser Félix Tshisekedi, bonne chance à vous. Félix Tshisekedi est un dictateur. Il est maintenant dans une sorte d'un régime assassin capable de tuer les gens. Chérime Okenda Lali Nassama Bele Nengto Golubawa. Yanni Akufa Nengto Golubawa.
Delphin Kayim Yazana Sea Mabele. Le régime est capable de tuer aujourd'hui. Vous pouvez monter, vous pouvez détendre. Félix qui est arrivé au pouvoir par des voies non démocratiques en trichant aux élections, qui se mettait au pouvoir par des voies non démocratiques en organisant un braquage électoral, en volant la victoire de Katumbi, ne peut pas partir par des voies logiques. La seule alternative que Félix, dans sa dictature, nous laisse, c'est une révolution armée. Je regarde la caméra. C'est une révolution armée. Si vous ne faites pas parler la révolution armée, si l'armée ne se rebelle pas, si les courageux ne prennent pas le courage, comme les Corneille Nanga, dites tout ce que vous voulez. Sans révolution armée, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Le fils de Tshen Tshisekedi va installer une dictature féroce. Vous allez sortir dans la rue, on va vous tuer. Alors ceux qui pensent que le Congo mérite mieux que Félix Tshisekedi, quel que soit le camp où ils se trouvent, ils doivent d'une manière ou d'une autre soutenir une révolution. Mais cette révolution, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus d'alternative. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je suis quelqu'un de vrai. Je vous dis la vérité. La seule alternative qui vous reste, je suis très démocratique. La seule alternative qui vous reste, vous, Congolais, pour chasser Félix Tshisekedi, c'est les armes. Ça, les armes, Félix a enquêté. C'est les armes. Il ne vous laisse plus aucun choix. Il ne vous laisse plus aucun choix. C'est comme ça que je vois les gens dire, « Eh, les Corneille Nanga, eh, les Kabila, est-ce que la démocratie, est-ce qu'au Congo, on peut parler de la démocratie ?» Je vous avais dit, laissez le temps. Vous allez voir, Nanga avance, ou une autre rébellion, ou un autre fils du pays qui prendra les armes. Il suffit qu'il commence à prendre des cas. La plupart des frustrés, la plupart des gens qui subissent la rigueur de la dictature félicienne, vont le rejoindre. À l'heure où je vous parle, il y a des têtes couronnées de la politique congolaise. Je ne veux pas citer. J'en connais beaucoup qui sont en attente pour rejoindre Nanga. D'autres sont soit à Kigali, d'autres sont soit à Ouganda. Ils sont en attente pour traverser et aller rejoindre Nanga. Les gens n'en peuvent plus. Félix ne laisse plus de choix aux gens. Félix ne nous laisse plus d'alternative. La seule qui reste, c'est de prendre les armes pour l'attaquer. C'est tout. Dans un pays où vous avez un président de la République, un compétent jouisseur, qui commence à tuer les Congolais, qui crée des propres milices, les forces du futur, les ceci, seule la révolution armée peut les chasser. Ne rêvons pas. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. J'ai vu des jeunes rejoindre Nanga. Regardez par exemple Henri Magie. Un ami que je connais très bien, Henri Magie, est entré en prison. Asala 2 ans en prison, mon Amobalio. Parce qu'il est passé dans une émission avec moi, dans laquelle il disait que Félix Tshisekedi était le plan B de Kabila. Mais il n'avait pas menti parce que Félix Tshisekedi n'a jamais été élu. Kabila lui a donné le pouvoir dans le cadre des accords. Bakanga et Asala, ça a été 2 ans. Yewana l'a tenu, a commis rebelle à la région de Corneille Nanga. Je connais aussi celui-ci, Yannick Tshisola. Yannick Tshisola, c'est aussi un jeune turc de la politique. Il a été directeur de cabinet adjoint des communes de Mouyej, au Lualaba. Yewana va rejoindre Nanga. Mais ça, c'est... Je connais aussi Adam Tchalou qui, lui, depuis longtemps, est là-bas. Mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Nassé Nabango Baza est belé. Est belé. Na politique, Nabino Baza Nassima Nanga, Bazo Landa Nanga. Na Poto Bosubo Moulaki Jean-Jacques Mamba. Mais moi, je ne comprends pas. Les rébellions sont dirigées par Nanga. Nanga Zasoki Azakamutuya Otuwele. Vous avez des Willy Ngoma, anciens de l'UDPS. Vous avez aujourd'hui Jean-Jacques Mamba, de Oyobatuyana Nia, Yabemba. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Henri Magina et Bata Zasoki, Henri Magina Zamuta, province orientale. Beaucoup de monde a dit, Zakako. Bah rébellion on a, bah Banyamulenge, et bah Rwandais, et bonabonabo. Même les frères de Félix Ngoma, qui était à l'UDPS, Bazakuna. Mais il y a beaucoup d'hommes politiques derrière cette affaire. Bozalara nanga koi sa Goma, bozala nanga koi sa Bukavu. Allons on a bazam, baba zo ba ville, Goma et koi, Bukavu et koi, bah poussani bazu ki sengani. Bokomona. Batou bazé belé.
Il y en a qui m'appellent chaque jour. Pense à un numéro à Nanga. Ngaza porte-parole à Nanga. T'es un numéro net. Ngaza porte-parole à Nanga. Ngaza numéro à Koné Nanga. Parce que Félix ne nous laisse pas le choix. La faute incombe à M. Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, j'ai vu Nanga avec ses nouvelles recrues organiser un meeting. Nanga dit des choses dans ces meetings-là. Nanga promet des choses. Tolanda Corné Nanga. On revient, on va continuer. Toyokai. La Kinya partie à Goma, tout à Panda Kaskazini, Manaka Kubayambang, Boutembo, Beni, tout comme on dit à tout en Afrique. Ça fait plus de 30 ans, plus de 3 décennies que le Congo est sous dans cette insécurité permanente. Et au lieu de résoudre les problèmes, le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de diviser le peuple, de rejeter d'autres, de privilégier la famille, de privilégier le tribalisme, de voler et surtout de détourner, souvenez-vous des rares, d'assassiner les uns et tous les acteurs politiques, d'instrumentaliser la justice et le ensemble. Il a fait le choix délibéré. Et pour cacher son incompétence, le régime a tendance à jeter la faute toujours. Non, c'est la faute du président Kagame. Même quand on ne mange pas la maison, on n'a pas le maïs, non, c'est parce que le président Kagame a fait cette histoire. C'est ce que nous voulons balayer, c'est ce que nous allons balayer dans quelques jours. Et le chemin est pris. Dans quelques jours, nous allons prendre Goma, le Grand Nord, Kivu, et Kivu en général, la Grande Orientale, le Grand Équateur, les Katanga, les Kassai, Bandundu, Congo central et la capitale. Nous venons à Kinshasa pour installer un régime fédéral. Nous disons un système fédéral du pays, parce que les injustices que nous vivons, que toutes les richesses soient ramassées du pays pour être consommées seulement à Kinshasa, avec des détournements, c'est inacceptable. Le bien-être viendra de là. Et le bien-être, ça part de quoi? De ce qui est pour chaque Congolais, que chaque Congolais reçoive, que les Congolais mangent, que l'enfant aille à l'école, que les Congolais aient des soins primaires, que les Congolais se déplacent. Que les Congolais se déplacent quand ils veulent, et qu'on commence le développement à partir, non pas de Kinshasa, mais à partir de la base. Voilà le bien-être. C'est là notre objectif que nous faisons. Et je suis content, madame, que vous disiez que non, c'est un objectif noble. Malheureusement, ça dépend de toi et moi. Ça dépend des Congolais. Ça ne dépend pas des Américains. Ça ne dépend pas des voyages en Arabie, au monde entier pour chercher je ne sais pas moi quoi. Non, ce sont des détourneurs. Ce sont des escrocs politiques. Ce sont des voleurs d'élections. Ils sont illégitimes. Et ça, c'est un problème réel pour les Congolais aujourd'hui. Nous n'accepterons pas cela. Oui, la deuxième question, peut-être la dernière. Dans les réseaux sociaux, on dit souvent que vous vous intéressez à récupérer les billets là où il y a peut-être des minéraux. Alors, on ne sait pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Il y a quel minéraux ici à Lucho? Est-ce que vous m'avez dit? Thank you.
voyez là donc Monsieur Corneille Nanga en train d'agrandir ses rangs. Nanga dit un certain nombre de choses, mes chers frères. Nanga vous dit que dans les jours qui arrivent, je vais prendre Goma. Il dit, dans quelques jours, nous prendrons Goma. Dans quelques jours, nous allons prendre Bukavu. Après, nous allons avancer vers la province orientale. Christian Daïwel, vous là qui êtes chargé des renseignements militaires, renseignement militaire na bino koma ya ba civil kokanga koboma batu la demiap. Vous avez écouté Nanga. Nanga dit que dans quelques jours il prendra Goma, il vient de le dire. Allez faire les renseignements militaires là-bas. Vous les gens de la demiap, les gens de l'ANER. Vous n'avez pas besoin d'informations. Nanga le dit publiquement. Il prépare la population, il dit je vais prendre Goma, je vais prendre Bukavu. Ce qui Goma est quoi, ce qui Bukavu est quoi, tokota la bino. Parce que vous les renseignements militaires, l'ANR, la DEMIAP, Moussala n'a bine koma ya koukanga batou, koboma batou, ba civil, ba simple citoyen. Ba rebelle, ba nga wana, ba nanga, ba lobby, ba zoko koma, ba zoko nous goma la Bukavu. Et Nanga parle de quelques jours. Le problème, mes chers frères, dites tout ce que vous voulez. Vous allez lui opposer quoi? Félix Tshisekedi lui-même donne des arguments à ces gens. L'argument des gens qui sont avec le Rwanda, là il faut balayer ça. Vous ne pouvez pas accuser Nanga d'être rwandais. Vous ne pouvez pas l'accuser. Je vous ai démontré ici lors de ma dernière émission. Les mêmes accusations que vous faites à Nanga, on peut les faire à Félix. Je vous ai dit, pour moi le grand traître ce n'est pas Nanga, c'est Félix. Le plus rwandais de nous tous c'est Félix Tshisekedi. Et j'ai donné les éléments. Félix était rwandais dans les faits. C'est lui qui nous a ramené le Rwanda dans le pays. Lorsque le général Delphin Kayimbi avait refusé Babomaye. C'est lui qui a dit que Paul Kagame était son ami et frère. C'est Félix, ce n'est pas Nanga. C'est lui qui a pris l'or de la RDC, qui a donné au Rwanda. Ce n'est pas Nanga, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui a pris le M23, les a amenés à Kinshasa pendant 16 mois. Avec son incompétent ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Ce n'est pas Nanga, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui nous a dit qu'on n'avait plus besoin des petites terres. Ce n'est pas Nanga, c'est Tshisekedi. C'est lui qui nous a amené à l'EAC. Ce n'est pas Nanga, c'est Félix Tshisekedi. Quand on lui a demandé de ne pas le faire, il n'a pas cru. C'est lui qui a pris le Rwanda, l'Ouganda, l'armée à côté du Congo. C'est lui qui a pris le Burundi, aujourd'hui l'Afrique du Sud. Il a empilé les gens, j'en parlerai. Ce n'est pas Nanga, c'est Félix Tshisekedi. Donc, quand on accuse les gens comme les Nanga en disant non, Bozaba Rwandais, bon, les premiers Rwandais de nous tous, c'est Félix Tshisekedi. Commencez par régler les problèmes. C'est comme ça que je vous ai toujours dit, mes chers frères. Arrêtez d'être émotifs. Autant vous allez critiquer les Nanga, commençons d'abord par critiquer Félix Tshisekedi. Nous en sommes arrivés ici, c'est à cause de la capacité rwandophile de M. Tshisekedi. Le plus rwandais de nous tous, c'est M. Tshisekedi. Et je vous ai même démontré que ça va loin. Son propre père, Étienne Tshisekedi, était aussi un Rwandais dans les faits. C'est lui qui avait dit du Rwanda qui accompagnait l'AFDEL que c'était nos frères. C'est Tshisekedi. C'est lui qui avait quitté le dialogue intercongolais pour aller signer les accords avec les RCD, ASD, Alliance pour sauvegarder le dialogue. C'est Tshisekedi, Étienne Tshisekedi. Donc, Botika Makambouana, Félix est en train de vous distraire. Le Rwandais, le vrai, c'est lui, Félix Tshisekedi. C'est lui qui prive nos militaires des armes. C'est lui qui pille notre argent. Qui vole, qui lège le ram. C'est Félix Tshisekedi. Le problème, c'est que Félix, dans son incompétence, détourne l'attention des Congolais. Il sait que nous sommes des rwandophobes. Il sait que quand il va dire Rwanda, ça va toucher à nos émotions. Il se dédouane de sa responsabilité. Lui qui disait que Paul Kagame était son ami, il sait que le Congolais est émotif, le Congolais ne fait pas de bonnes analyses. Il ne nous a jamais demandé pardon pour le fait qu'il nous a ramené le Rwanda chez nous. Il ne nous a jamais demandé pardon pour le fait que Rwandais atterrissait chez nous, sur le fait d'avoir cédé l'aéroport de Goma. Ça, il ne dit pas. Il vient vous dire aujourd'hui, le Rwanda. Mais qui a amené le Rwanda? Qui est le premier allié du Rwanda? Qui a dit que lui n'avait pas de carnet d'adresse et qu'il fallait aller voir le carnet d'adresse de Paul Kagame? Ce n'est pas Corneille Nanga, c'est Félix Tshisekedi. Le Rwandais, c'est lui. Et attendez, vous distraire, mes chers frères. Le plus grand Rwandais, c'est Félix Tshisekedi. Le vrai Rwandais, c'est lui.
qu'il tire d'abord sa responsabilité à lui avant d'attaquer les autres. Qu'il vienne s'agenouiller devant vous pour vous jeter des excuses avant de s'attaquer aux autres. C'est lui. Et aujourd'hui, il donne les bâtons pour se faire battre. Son incompétence, son arrogance, sa jouissance est aujourd'hui son élan assassin, Yakobo Mabatou. Et Zoko Titinasou Batou Chouate. On n'a plus de choix, mes chers frères. Ngeleka ne laisse plus de choix aux gens. Ngeleka ne laisse plus de choix aux gens. Le Congo souffre d'une grande maladie, incarnée par un homme. Le cancer à la tête desquels nous avons, à la tête de ce pays-là, aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. Nous pouvons tout dire. Je vous dis toujours, si nous sommes sérieux, Tofanda, Toba nous régler ma problème d'Abisson. Pourquoi les Rwandais nous attaquent? Pourquoi les Rwandais utilisent certains de nos enfants pour nous attaquer? Pourquoi nous sommes incapables de résister au Rwanda? Le grand Congo, devons-nous continuer à être humiliés, en train d'être, de pleurer comme des gamins? 100 millions d'habitants, pourquoi ces petits pays peut-il nous narguer comme ça? C'est des questions qu'il faut régler. Aujourd'hui, vous pouvez tout dire, mais Félix a tout détruit dans le pays. Félix a tout détruit. Félix a tout détruit. Vous qui souffrez à Kinshasa, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Vous qui souffrez à Mbujimaï, vous n'avez pas de maïs. Vous qui souffrez à Kinshasa où il n'y a même pas un problème, on ne sait même pas réguler la circulation routière. Ça, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas le Rwanda, c'est Félix. C'est lui qui donne 40 000 dollars des frais d'installation aux députés, qui prend dans les caisses de l'État, payant, donnant de l'argent. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas Paul Kagame, c'est votre fils de malédiction, là, Félix Tshisekedi. C'est lui. Réglons d'abord les cas, Félix Tshisekedi. Nous sommes malades. Félix a planté le pays dans une maladie à quatre têtes. Le Congo a un problème de légitimité aujourd'hui. On va vous attaquer. Oui, nous avons un problème de légitimité. Vous avez un président de la République illégitime qui se retrouve frauduleusement pendant plus de 5 ans, qui doit avoir, qui a eu un deuxième mandat de manière frauduleuse, qui est un président illégitime. C'est Félix Tshisekedi. En 2018, tous on sait que Félix n'a pas gagné les élections. Nanga vous l'a dit. Bango Moutouba Meme Labiso Félix Tshisekedi. Abandé comme la bière naine à Bruxelles, Baké Bazouillé. Ils ont volé la victoire de Martin Fayoulou. Ils ont dealé avec lui. Ils ont fabriqué ce monstre qu'ils n'arrivent plus à contrôler aujourd'hui, Helmut Ngeleka. Donc, Félix a volé déjà les élections en 2018. En 2023, il a organisé un braquage. Des élections qui se sont échelonnées pendant 6 jours. Il a volé la victoire de Moïse Katumbi. Donc, nous avons un problème de légitimité. La plupart des Congolais ne se retrouvent pas dans ce régime. Et ça, c'est un problème. Aussi longtemps que nous organiserons des élections à l'issue desquelles des personnes non élues se retrouveront à des postes de responsabilité, on ne peut pas résoudre la guerre dans l'Est de la République. On créera toujours des frustrations pour qu'il y ait des problèmes à Bukavu, pour qu'il y ait des problèmes à Goma. Commençons par réfléchir. Réglons les problèmes de légitimité. Vous avez des députés nommés comme ceux qui sont à l'Assemblée nationale qui ne le sait pas. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'une 15% qui ont été valablement élus. La plupart des personnes élues ne sont pas à ces postes-là. Mais ceux qui se sont vus, ceux qui ont vu leur élection être volée, c'est des frustrés, c'est des nangas, c'est des rebelles de demain. Réglons les problèmes de légitimité. Nous ne pouvons pas avoir la paix dès lors qu'à la tête du pays, vous avez un président frauduleux. Qui a un autre deuxième mandat de manière frauduleuse? Nous avons des problèmes existentiels. Nous avons des problèmes importants de fond dans notre politique. La légitimité. Et en politique, le pouvoir est assis sur deux colonnes, vous le savez. La légitimité et la légalité. La légitimité d'un pouvoir, c'est la conformité de ce pouvoir-là à la volonté du peuple. La conformité de ce pouvoir-là au souhait de la population. Ce pouvoir est issu véritablement de la population. C'est la population qui l'amène à ce niveau-là. Et la légalité, c'est la conformité du pouvoir par rapport aux lois de ce pays.
cet homme qui a été élu, qui est aimé par la population, l'a-t-il été conformément aux droits positifs du pays? Mais vous avez des personnes qui ont la légalité parce que proclamées par des institutions judiciaires aux ordres comme les institutions de Kamouleta, mais qui n'ont aucune légitimité. Vous avez des députés qui ont été nommés. Des députés comme les Sami Badi Bangala, des Nazem Nazembe, des députés comme les Taylor Lubanga. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas été élus par la volonté du maître frappeur Kamouleta. Ils vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Manque de légitimité, frustration, guerre. Le deuxième problème que nous avons, c'est la gouvernance. Comment ne pas avoir la guerre lorsque vous avez un président de la République frappeur comme Félix Tshisekedi, frappeur, Moyibi, Batou Mobimba, gouvernance d'Abango Bayelaki Moyibi. Comment ne pas avoir la guerre quand vous vous réveillez un matin, vous n'avez pas de l'eau à Kisenso, vous n'avez pas de l'eau à Matete, vous n'avez pas de l'eau à Bandal. Vous apprenez que le président de la République a détourné 500 millions de rames. 600 millions de rames. Vous apprenez que pour organiser le braquage électoral, ils ont dépensé 1 milliard 300 millions alors que tout le monde sait que la moitié de cet argent va Kabo Liango. Miyibi, problème de gouvernance. Quel est l'idéal de la gouvernance de M. Félix Tshisekedi? Posez-lui la question. M. Tshisekedi voit le Congo où en 2025? M. Tshisekedi pense quoi du Congo dans 10 ans? La gouvernance. La gouvernance de M. Félix Tshisekedi pose problème. On peut beau crier. Le Rwanda, Paul Kagame. Si on n'arrive pas à résoudre ce problème, nous n'avancerons pas, mes chers frères. La gouvernance de notre pays pose problème. Nous avons des voyous, des frappeurs à la tête de nos institutions. Des petits bandits. Qui n'ont aucune vision, aucun plan de développement pour le pays. À part Moïbi. Et comment ne pas avoir la guerre? Comment ne pas frustrer les gens quand la tête est pourrie comme elle est aujourd'hui? Quand à la tête, il y a que le babou, la foufoua, minene, naba ngaïngaï, naba pondou, naba mumpala, ba moujibou, djibou. Oui, mumpala. À la tête là, il y a que le Mumpala, les Moudjibou, les Sampou, les Tchilunga, Tchilouabeni, Tchilunga. On mélange avec le Tchivas et le Tembo, la Foufoua Moto. Réglons ces problèmes. C'est comme ça que j'ai toujours prêché ici pour que nous arrêtions avec la politique des plaintes. Pour que nous ayons la capacité de nous regarder en face. Pour que nous ayons la capacité de nous poser des questions qu'il faille. Et qu'au terme de ces questions, nous dégageons la responsabilité du Congo. De cette responsabilité, que nous assumions notre responsabilité, que nous puissions nous morfondre sur notre problème, sur nos problèmes, et que de cela, nous puissions décider de changer, de recadrer les tirs. Non. On vous amène ici dans la politique de ce n'est pas moi, c'est l'autre. L'enfer, c'est l'autre. Vous avez aujourd'hui les problèmes de tribalisme. Tshisekedi Félix a détruit les tissus. La nation n'existe plus. Comment ne pas avoir la guerre quand sur les 450 tribus que nous avons dans le pays, tout le monde est frustré aujourd'hui. Les Balouba Bazako donnent le logo la Mboke Komi Yabango. Balouba. Et l'eau comme un longa et pas d'abango et zalité. Leur frère ne fait rien. Et pas d'abango kouna na kasaï. Zala nan zala. Nanza moulouba. Boko de l'obana tribaliste. Nga moulouba. Nous avons quoi chez nous? À part la faim. Comment on peut pas avoir la guerre? Zala na kasaï. 4 ans, 5 ans. Moulouba yachi Tshisekedi n'a rien fait chez nous. Rien. Balouba. Ba comme gofinga bino bandoki. Boza bandoki. Augustin Kabuya Lobaki.
Mais on ne peut pas avoir de guerre comment quand un homme prend le pouvoir. Il se fait appeler Mukwantombolo. Et il est fier de ça. Mukwantombolo est une magnificence du tribalisme. Mukwantombolo magnifie une tribu, les Bakwantombolo. Mukwantombolo veut dire... Il est fier de ça. Je vous donne cet exemple-là. C'est comme vous avez un Mobutu qui se promène tout le temps à Zobelele. Mungwandi a solo solo. Mungwandi, il est fier. Asuma Pekachibu. Mukwantombolo. C'est déjà l'évocation de ce type-là, Mukwantombolo. Est une preuve que le type est un tribaliste. Il ne comprend pas. Qu'est-ce que stéréotype pour y faire à Longwanayango? Ils vous organisent des élections totalement loubalisées. Balouba! Babumimboka Balouba! Le malheur, c'est que les Balouba que lui utilise, Baza Balouba ya Chileu, Chijengu, ya Foufou à Masangu. Balouba ya Maele Bali. Balouba Batangi na Bavard Bali. Balouba Batangi na ULB Bali. Balouba Batangi Sokyo Bali. Mais messieurs, Olingo ça la tribalisme. Pesa Balouba ya solo, solo pouvoir. Bamabu Amulumba Bazali, Balouba. Pesa Bango pouvoir. Babu Sungayo. Yo ke ko zoba to fufu boliera na bango fufu. Batu boliera na bango mulembwa. Batu boliera na bango mulembwa. Batu boliera na bango mujibu jibu. Boliera na bango mumpala. Batu bo betaka na bango masolo ya ba copine. Nde o ke ko cha. Batope mukengeshai. Tope mukengeshai. Quel est le niveau de Tope mukengeshai? Jean-Claude Kabongo, quel est son niveau? Quel est le niveau de ces gens-là? Bongo yo o nani yo biselele. Ancien vendeur de abandon tika ba ma papa na ba sapatu na goma. Voilà ba loubo ya kekoso. Vidie Chimanga. Vidie Chimanga. Des coopérants. Des coopérants. Que des coopérants. Il est allé ramasser tous ces baloubas là. Et c'est des gens qui ont qui l'entourent. Ba Auguste Kabouyab. C'est des gens, tu te dis, mais c'est quoi ces problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Osa tribaliste. Mais Luka Balouba ya solo. Luka Balouba paye à solo tchawana. Non. Mais comment vous ne voulez pas que nous ayons la guerre dans une condition comme ça? Aujourd'hui, les généraux katangais sont tous arrêtés. Les militaires, les officiers katangais sont tous arrêtés. Hey, Bazo prépare coup d'état. Bazo prépare coup d'état. On arrête. Les Balouba qui font des désordres à Lubumbashi. Les Balouba, les Wewa qui pensent qu'aujourd'hui le Congo leur appartient. Les Wewa, les Balouba qui dérangent à Kinshasa. Vous ne voulez, vous, comment ne pas avoir la guerre dans ces conditions-là? Et les autres peuples, ils font quoi? Les autres peuples, ils font quoi? Ils vont vous laisser parce que vous êtes le Balouba, vous êtes le Bangona Zolo. Ça, c'est pas le Rwanda. Ça, c'est pas la responsabilité de Kagame, c'est nous. C'est notre responsabilité, frère. Félix donne le bâton. Il permet à ce que cette idéologie-là puisse avoir des arguments. C'est la vérité que je vous dis, mes chers frères. C'est la vérité que je vous dis. Tribalisme. Biloko yo mobuto a bundi na yango. Yazari na poto azome la bama sanga na ye. Aye, yango ayeko installé na Congo. Mouluba, tribalisme. Ayeko bomambo kana tribalisme. Balouba partout. Parlement, attendissant na Balouba. Balouba, 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 Balouba. Oro lo balouba. Bani ata oro la kayasa. Na Balouba yango. La plupart à Balouba, non seulement que Baza Balouba y a Tijengouba, ma diplôme, ma compétence, ma longue, mais ils ne font rien pour leur province. Pour la plupart, ils les ont ramassés dans les rues de Bruxelles, dans les rues de Ottawa là-bas. Le peu qu'ils volent, ils vont construire là-bas, ils vont acheter des appartements à Ukraine, ils vont acheter des appartements à Dubaï. Ils n'ont aucune attache avec leur propre province. Ils n'ont aucune attache. Et tali bangote kananga bushimai chikapa oh il est beau baye bangote ba frappeur il passait leur temps volé na ba poto là leur collègue prend le pouvoir baké bazu bango ils volent le pays ils vont construire là-bas. Vous ne voulez pas qu'il y ait la guerre. Pourquoi y aura-t-il pas la guerre dans des conditions comme total à la mise sur les hommes, ça me la vérité, dans des conditions comme celle-là? La quatrième maladie grave, c'est la sécurité, l'armée. Le monsieur est commandant suprême, mes chers frères.
On ne peut pas ne pas nous attaquer si nous n'avons pas une armée dissuasive. Posez-lui la question. Qu'est-ce que tu as fait de notre armée en 4 ans, 5 ans de mandat? Rien. Il a déstructuré l'armée. Le commandement de l'armée aujourd'hui, on ne sait plus qui dirige cette armée-là. Est-ce que c'est Chiwewe? Est-ce que c'est Bwamunda Frank? Est-ce que c'est Ndaiweli? Est-ce que c'est Chico? Qui dirige l'armée aujourd'hui? Posez-lui la question. Ajoutez à cela son propre frère Jacques, qui donne aussi des ordres à ça. Qui dirige l'armée aujourd'hui? Combien de tenues militaires en 5 ans ce monsieur a acheté? Combien de bottines M. Ngeleka a acheté? Posez-lui la question. Ce n'est pas le Rwanda, ça. Ce n'est pas l'Ouganda, ça. Ce n'est pas le M23. C'est Félix Tshisekedi. C'est sa responsabilité. Ce n'est pas le Rwanda. La vérité, elle est celle-là. Ça, c'est la vérité. Vous avez une armée éparpillée. Des militaires démotivés, pas formés, pas équipés. On ne va pas vous attaquer comment. Mais là, regardez ce qu'il fait. Il va superposer les armées étrangères sur notre sol. Il va nous faire adhérer à l'EAC. Il ramène les militaires de l'EAC ici. Il est incapable de les faire partir. Il y en a qui sont au SADC. Il signe des contrats avec les Sud-Africains à qui il donne la mine d'or là-bas. Et les Sud-Africains viennent, non pas dans le cas de leur couverture, il y a SADC, mais il prend les Sud-Soudan qu'il va. Il va superposer de manière inintelligente, il réfléchit les armées de notre pays. Ajoutez à cela, les Ouazalendo que lui-même reconnaît aujourd'hui comme étant les alliés incroyable, mes chers frères. Un président commandant suprême qui salue la milice qui accompagne son armée. Même si les Ouazalendo nous accompagnaient, ils ont posé une question. Devrons-nous les savoir? Devrons-nous les dire publiquement? Ajoutez à cela des mercenaires, les Roumains, les Israéliens, que lui-même dit, oh, ils sont des coachs. On ne va pas vous faire la guerre comment? Congolais tchakiti. Nazop tchaba argument na mesa. Venez contredire les arguments que je pose sur la table. Ça, c'est le Rwanda. Ça, c'est Nanga. Qui vous dit de faire ça, de voler l'argent. Vous lancez un état de siège. Vous sautez des millions de dollars. Votre propre parlement vous dit que Nambongo Bimi, plus de la moitié, bah, y bien dans le bureau. Il y a un rapport comme ça de la commission défense et sécurité du parlement qui démontre que Mbongo Bimi rapport que Naes, bah, il n'y a pas de généraux et tira la Kinshasa, dans les bureaux de Kinshasa. Quelle enquête a été lancée? Vous avez lancé quelle enquête? Qui a été arrêté? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des traîtres. Vous avez arrêté qui? Vous envoyez des gens, comme des. Mr. Johnson, combien de minutes je fais? Combien de minutes? Vous envoyez comme des chers à canon? Combien? Vous envoyez des gens comme des chers à canon? Mbongo, vous envoyez Yiba, vous envoyez Lia? Vous ne vous. Regardons-nous en face. Joaki Tifanda, je mets les arguments sur la table. Viens me rencontrer sur la base de ce que j'ai fait. Ne sois pas émotif, cher frère. Ne sois pas émotif. Ne te laisse pas embarquer. Je pose des arguments sur la table. Rencontre-moi sur la base de ce que tu... C'est... Ne t'emporte pas. Eh, Perro, Bino, les Rwandais, Perro, Bino. Vous pensez que mon pays mérite d'avoir des chefs qui... Pleurnichard incompétent qui ne foutent rien et qui ne sont là à se plaindre comme ça, ils ne connaissent rien, c'est toujours les autres, c'est pas eux, c'est toujours les autres, c'est pas eux. L'armée, la sécurité, on n'aura pas une armée dissuasive. Comment on ne peut pas nous attaquer? Comment on peut pas nous attaquer? Comment comment on peut pas nous faire la guerre quand nous laissons la sécurité de notre pays à un petit pays comme le Sud-Soudan? Le Sud-Soudan a la guerre chez lui. Banda a besoin d'indépendance. Qu'est-ce que le Sud-Soudan peut venir nous apporter? Qu'est-ce que le Sud-Soudan peut venir nous apporter? Quand on prend la sécurité de notre pays, on va céder ça aux Burundais. On leur donne des mines au Sud qui vous. On prend les militaires. Et le président aujourd'hui, il est même sécurisé par des militaires burundais. Dans la garde républicaine, là, les Burundais qui sont là. Aucune réforme, aucun idéal, aucune idée pour améliorer l'armée.
Il y a des infiltrés dans cette armée. Il y a des infiltrés. Mais qu'est-ce qu'il a lancé comme contre-espionnage pour extirper l'armée de ces infiltrés? Rien. Ce qu'il fait, c'est boire, manger, voyager. Détourner. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et vous voulez vous plaindre. Vous ne voulez pas avoir la guerre. Régler ces problèmes. Je vous mets les éléments sur la table. Je veux qu'on s'assoie, qu'on discute comme le peuple de ce pays, comme les enfants d'une mère, même mère, la mère patrie, le Congo. Moi, mon problème, c'est mon pays. C'est mon pays. C'est le seul pays que j'ai. Changez les nationalités comme vous voulez, mais votre cœur ne battra pas autant pour ce pays-là comme il est pour le Congo. Mais vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous voulez vous laisser berner par des incompétents qui vous racontent leur vie. Réglons ces problèmes. Problème de légitimité. Problème de gouvernance. Problème de déchirement des peuples. Cette histoire de tribalisme qui fait mal. Problème de sécurité. Nos forces de sécurité, nos forces de renseignement. Et croyez-moi, Félix n'a pas la compétence pour régler ses problèmes. Il n'en a pas. Il peut rester là 100 ans. Il va davantage corser cette situation parce qu'il n'a ni compétence, il n'a ni ressources intellectuelles, ni ressources managériales, ni ressources diplomatiques pour régler ça. Il ne le fera pas. Quand on aura résolu ces problèmes ici, que nous aurons cessé de nous frustrer les uns les autres, on va enlever l'argument, la pierre, l'herbe. On va couper l'herbe sous les pieds. Il y a bateau, il va utiliser du loco contre nous. On pourra regarder le Rwanda en face et lui dire ce que mon équipe beaucoup a ma force. Mais si on est là, à ne pas réfléchir, à porter des polos Adidas pour aller à Adidas Arena, à faire des débats parce qu'on est spiritas, c'est le chemin de la gloire et bimi. À se battre, que Bissot Obeta ait 40 000 places de You Arena. Aujourd'hui, c'est Moïse Mbillé et Mike Kalambay. Ce qui va passer, il y a le Kouta, ce qui est solo, Makambuna Bango Yébanakate. Aujourd'hui, vous êtes maintenant dans des débats de stade. Stade à Moïse Mbillé et Kotonda. A Kopeta 3 stades en un mois. Mike Kalambay a aucun des Zénith. Et Kazénith a Kopeta stade. Et Madjabou a dit on est dans ça. Et quand on va vous parler de sécurité, on va vous distraire, on va vous dire, ce n'est pas Félix, c'est le Rwanda. Et vous tous, vous allez dire, les Rwanda, les Rwanda, les Rwanda. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Réveillons-nous, chers frères. Sortons de cette situation ici. Posons-nous des questions utiles, les bonnes et les meilleures. Et trouvons des réponses à ces questions-là pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il est. Arrêtez de vous distraire. Je vous l'ai dit tous les jours. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand pays. 2,345,410 km² de superficie. Nous sommes plus de 100 millions. On ne peut pas se laisser marginaliser, maltraiter par des petits comme des petits Rwandais, comme des petits pays comme le Rwanda. Nous sommes les descendants de Simon Kimbangu. Nous sommes les descendants de Lumumba, de Kimpanvita, de Laurent Désiré Kabila, de Mobutu. Réveillons-nous un peu, chers Congolais. Sauvons notre pays. Extirpons ce pays de ce cancer qui est en train de se métastaser, qui nous fait mal. Monsieur El Moutingue, le café, ici, c'est Guédi. Sachons, les amis, à séparer l'utile et de l'agréable. À créer la frontière entre ce qu'il nous faut et ce dont on n'a pas besoin. C'est le prix à payer pour sauver ce pays-là. C'est le prix à payer. Sinon, je n'ai pas honte en vous regardant dans les yeux et en vous disant, nous allons perdre ce pays. On va balkaniser le Congo. Parce que nous ne méritons pas ce pays. Nous sommes indignes d'être le peuple de ce grand Congo. Nous sommes indignes. Nous sommes un peuple indigne. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous n'aimez pas quand je parle comme ça, mais la vérité est celle-là. Vous allez perdre ce pays-là. Parce que vous êtes un peuple indigne. Nous ne sommes pas dignes d'un pays comme celui-là. Si le réveil ne vient pas maintenant, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et c'est très bientôt. J'aurais dit. Et monsieur Sidi,
tout le monde à la prochaine émission. Boutika madame, à la prochaine. Réunis en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Boubangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres, je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'alliance du fief Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tiangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà. Vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter. Et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. Ce n'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une l'alliance du fleuve Congo. L'alliance du fleuve Congo. Voilà. Souki na yoki keba zui localité moko. To, ba betilisa si Congolais mwa goufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et je dis... Je fais feu. Monsieur le Président, parle... Et on a... Je suis en train de... commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokunzi.